tous, aujourd'hui nous sommes dimanche, le thème de la semaine c'est le symbole de l'espoir. En premier lieu j'emporte le harnais du chien, un harnais spécial Tony Cross, justement pour pas lui faire des dégâts physiques au chien, parce que courir avec un simple harnais n'est pas bon pour le chien. En deuxième lieu, une ceinture de canicross pour l'accrocher à la taille pour qu'on puisse avoir les mains à lire pour courir. Moi pour l'instant donc j'ai une ceinture de canicross, mais je vais bientôt m'acheter mon baudrier car je pense que ça va mieux, ça fait moins mal. Parce que je trouve que ça fait quand même assez mal pour nous. C'est fin, ça fait quand même mal. Donc je le ressens hyper fort quand je cours avec Taï. Troisième indispensable, donc c'est ma lèvre de canicross. Avec normal l'élastique pour comment expliquer, c'est pour aider pour la coup, pas qu'il y ait d'un coup trop fort sur le dos du chien, même sur nous. Donc voilà, c'est pour vraiment avoir plus de confort par rapport au chien et à nous. Donc voilà, donc tout ça basique. Ensuite j'emmène toujours sur moi une bouteille d'eau pour s'hydrater, au cas où si on va dans des endroits où il n'y a pas de lac ou quoi pour qu'il puisse s'hydrater, se rafraîchir, toujours une bouteille d'eau sur moi dans mon sac à dos. Et mon cinquième objet, c'est une gamelle d'eau en tissu, je mettrai la photo. Donc voici pour mes 5 indispensables au Canicross. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouve tous les dimanches sur Canidet. À très bientôt.